Et nous revoilà avec Alain Kleinbeck maintenant pour parler d'un légume un peu particulier. Le pois cassé. Le pois cassé. Alors Alain, juste en deux mots. Petit pois, pois cassé. Alors c'est la même plante. La seule différence, c'est son goût, principalement. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment la même plante que le petit pois, à la particularité que quand il est séché, il a un autre goût. D'accord, donc on regardera tout à l'heure. Pois cassé, un grand classique de la cuisine française. Potage Saint-Germain. Saint-Germain, donc ça c'est escoffier. Voilà, c'est un bon potage velouté avec le pois cassé trempé, mijoté, crémé, et émulsionné, et puis voilà quoi. D'accord, donc on dirait que les pois cassés, donc, plus que, par exemple, les haricots, comme on a vu les haricots de Maugette, ça sera plutôt quelque chose qui va être cuit longtemps, qui va être mixé plutôt pour faire des potages. Voilà, alors déjà, c'est un temps de trempage un tout petit peu plus long que la lentille. Donc là, on est à peu près sur à peu près une heure de trempage. On laisse mijoter tranquillement, bien infusé avec le bouillon de cuisson. Et après, on le laisse juste mixer, crémer, beurrer. Alors, c'est sûr que si là, on le sèche un peu plus, on peut en faire une émulsion un peu plus légère, à servir avec un poisson, même une volaille. Et après, voilà, plus vers les potages, avec lesquels on va laisser cuire aussi une bonne saucisse, une morteau, un montbéliard, voilà, même un knack, hein, je veux dire. Voilà, c'est plutôt cette base-là, plutôt dans le côté liquide avec le donc pois cassé. On y jette un petit coup d'œil, donc oui. Tu disais, on a la chance. Voilà, un petit... Ouverture, fermeture, facilité. On va la renverser un tout petit peu ici pour qu'on puisse voir un tout petit peu la... La texture, hein, donc c'est des petits pois qui ont été coupés en deux, hein, qui ont été quelque part... Le petit pois à la base, c'est deux parties. C'est deux petites coques, le petit pois frais, c'est une partie qui se sépare en deux, au moment, et là, on l'a sans l'écorce, le pois séché. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les commerciaux de la SAPAM. Oui. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un autre légume sec. À très vite.